Salut tout le monde, c'est Courte, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Sword Art Online Holorealisation. J'espère que vous allez bien. La dernière fois on s'était arrêté après avoir battu Genesis. Enfin, ça fait un long moment qu'on essaye de... Enfin, que j'essaie de le battre de mon côté. Enfin, que j'ai XP quoi pour pouvoir le battre. Et du coup, aujourd'hui on va s'attaquer... Alors, ça fait 3 épisodes que je dis que c'est le dernier. En même temps, je sais pas quand est-ce que c'est la fin. Et à chaque fois je fais des suppositions, mais au final, j'en sais rien, ça se trouve, la fin n'est pas du tout. Maintenant, je ne sais pas, mais... On s'en rapproche, ça c'est sûr, on est plus à la fin qu'au début, ça c'est certain. Après je sais pas où on en est, je me suis fait avoir 3 fois, donc maintenant je ne dis plus rien, je ne dis plus si c'est l'épisode final ou pas. Vous le verrez dans le titre de toute façon. Donc là on va chercher Première, qui n'est plus ici du coup. On va faire la petite astuce de tac, et tac, et tac. Tu es à la place du téléporteur. Je ne te vois pas. Ah tu es là, tu es là, tu es là, tu es là, tu es là. En même temps tu viens d'arriver. Alors, Première, je veux que tu me montres l'endroit que tu as visité toute seule. Tu te rappelles où c'était? Oui, je m'en souviens, je m'en occupe. Tout est prêt? Y aller, c'est parti. Bon, j'espère qu'on va pas se taper un boss complètement pété. Oui, je suis prêt, passe devant. Parce que j'ai galéré avec Genesis et j'ai pas envie de retourner XP. Je vous avoue, j'ai très envie de savoir la fin. J'ai très envie de savoir la suite si ce n'est pas la fin. J'ai envie de savoir le dénouement de cette histoire d'Ankrad. Par ici. Ok, donc là on est dans la plaine là, je sais plus comment ça s'appelle. Allons-y, Première. D'accord. Alors je sais pas où est-ce qu'on est. Ok. Bon, ça ressemble à la plaine, après c'est peut-être pas... Ça se trouve là on est dans l'Ankrad, mais je pense pas parce qu'ils ont dit qu'ils savaient pas comment y accéder. Du coup les monstres sont niveau 38, donc ils sont pas bien forts. Normalement on devrait les battre assez facilement. Ah d'accord. Je gagne qu'un point d'XP déjà. Je gagne qu'un point d'XP en tuant un monstre de niveau 38, c'est... Ah, c'est de la merde. Ok, on va snober un peu la zone, hein, très clairement, parce que ça vaut pas le... Ah, d'ailleurs, ça. D'accord. Ok, c'est quoi déjà? Ça fait quoi? PE max réduit... Ah putain, moins 100 délai de relance, moins 50% de vitesse d'attaque, plus 10%. What the fuck? C'est pas terrible, ça. Oh, je vais juste taper plus fort. Enfin, plus vite. Ouais. Par contre, j'espère que ça dure pas trop longtemps. C'est où, je le vois pas. Ah d'accord, c'est où, c'est bon, je vois. Ouais, bon, ça dure un certain temps quand même, hein. Bon alors, on se TP, on est où? On est là, ouais d'accord, bon je vois un peu le cheminement. Et il y a un petit boss qui va être là-bas, je sais pas si on est obligé de l'affronter ou pas, on verra. Bon, à mon avis, on va devoir l'affronter, je pense. Putain, mais pourquoi la nouvelle zone, elle me fait moins XP que l'ancienne? C'est étrange. C'est étrange. Et d'ailleurs, si on arrive à aller dans Ankrad, est-ce qu'on va pouvoir y retourner dès qu'on aura fini? Ça, c'est une excellente question. Et j'espère qu'on pourra y retourner pour fouiller. Même si en soi, je m'en bats les steaks de fouiller. Puisque maintenant, les coffres, je m'en bats les steaks. Je m'en bats un peu les steaks. Alors, j'y suis là. Tac. Et tu vas faire tac, tac. Voilà. On ira un peu plus vite comme ça. C'est plus agréable. Bon, du coup, le lancer de couteau, je sais toujours pas à quoi il sert. Ça se trouve, c'est uniquement pour faire cette astuce d'aller plus vite. C'est étrange. Alors, ah oui, donc oui, c'est sûr, va falloir affronter l'ennemi. Ouais, c'est sûr. C'est sûr à 100%. On dirait qu'on est bloqué tant qu'on n'aura pas battu cette chose. J'ai jamais remarqué, mais les arbres, ils ont des yeux au-dessus de leur... Enfin, ils ont une bouche et des yeux, j'ai jamais vu, moi. J'avais jamais fait gaffe. Ok, tu es level 40. Oh, c'était largement à notre portée, hein, très clairement. On va direct balancer une Nova ascendante. Alors, par contre, le problème, c'est que je vois pas ta deuxième barre de vie. Est-ce que tu as plusieurs barres de vie, du coup, là? Oui, je pense que tu en as deux. Normalement, on devrait pas y avoir de problème. On devrait le battre très facilement, vu le niveau qu'on a. Je pense que ça sera très sympa. On va même faire ça pour être encore plus pété. Hop. Hop. Tac. On va l'allumer. C'est moi qui vous le dis. Bon, je pense que je ferai plus jamais le truc qui permet de taper plus vite là. Parce que j'ai pas beaucoup de PE. J'aime pas ça. J'aime pas ne pas avoir beaucoup de PE. Moi j'aime bien pouvoir le balancer plein de sorts et tout. Hop. Ouais, on le défonce là. Très clairement, on le défonce. Je comprends pas pourquoi ils nous mettent des trucs aussi simples après nous avoir mis un truc hyper dur, je ne comprends pas.
c'est illogique. Bon, si c'est pas un boss final, mais enfin, c'est pas un boss de fin, donc. Bon travail, première. On continue? Un petit téléporteur. Ça me semble pas marcher. Ah, génial ça. Ah, mais non, mais c'est Première qui doit l'activer, je pense. Hey, ça a bougé. C'était fait pour mener Pierre. J'arrive pas à parler. Hey, ça a bougé. C'était fait pour mener Première jusqu'à l'Incrad. Peu importe, on a trouvé une entrée vers l'Incrad. Vers Incrad, pas l'Incrad. D'ailleurs, je sais même pas si ça se prononce comme ça en fait. Je sais même plus de la prononciation. C'est Encrad ou Ancrad, je sais plus. Je vais rentrer en ville pour prévenir les autres de ce qui s'est passé. Mais Balek, s'en fout des autres. C'est vilain ça. おお、市民だ。存分に英気を養おうぜ。なんつったって、いよいよアインクラッドに乗り込むんだからよ。うんうん。ここは私のおごりだから、遠慮なくじゃんじゃん行っちゃって。すごいですよね。ドロップ率0.04%のレアアイテムを何の躊躇もなく売っちゃうんですから。何言ってんのよ。 そんなものよりもっと大事なものを守んなきゃいけないんだから、レアアイテムの一つや二つ、どうってことないわ。おお、男の俺でも憧れるかっこよさだぜ。リズさん、ごちそうになります。わーい、何から食べようかな。お腹いっぱいになって動けないなんてことにはならないようにしないとね。 エギル・シェフの特製ピザもできたよ。まだゲーム序盤だから高価な食い物は用意できねえけど、味に関しちゃ問題ねえぜ。俺っちも秘蔵のボトルを持ってきたぞ。ちょっぴり刺激があるけど、それが癖になるんだ。へえ、飲みたい飲みたい。お料理も揃ったし準備OKね。全員グラスは持った？ みんなで乾杯しましょう。プレミアも準備はいいか？はい、グラスを持ちました。よし、それじゃあ乾杯。乾杯。お、乾杯。美味しそうな食べ物が満載です。リズがごちそうしてくれたんだよ。この決起会というものも ピクニックと同様に楽しいですね。はい、ピクニックも決起会も皆さんと一緒にいることはとても楽しいです。みんなと一緒。キリト、どうした？私はこれからもみんなと一緒にいたいです。ああ、俺たちもさ。うん、だから絶対に この世界を守ろうね。世界を守る、それはみんなの可能性を守ること。そういうことだ。守りましょう。ああ、そうと決まれば、たくさん食べて元気をつけないとな。任せてください、それは得意です。<笑>プレミアさんは本当に食事が好きなんですね。 みんなの可能性か。なんだか不思議だね。ん？何がだ？2年以上も SAO にとらわれて、本当ならこの仮想現実の世界を恨んでもおかしくないはずなのに、今は失うことのできない、とても大切なものになってる。そうだな。茅場の生み出したデスゲームは 決して正当化できるものじゃないけど、そこでかけがえのないものを見つけたのも事実だ。うん、君やみんなと出会って、きっとこれからも多くの出会いをこの世界で体験するんだと思う。そうした可能性を私は絶対に守りたい。ああ、
俺もだよ。ここにいるアスナや仲間たち、こうして目に映るものは仮想世界に展開されたただのデータかもしれないけど、その存在は決して仮想なんかじゃない。俺たちが過ごしたもう一つの現実、アインクラッド。そこで必ず決着をつける。Allez, cap sur l'Aincrad. L'Aincrad. Vous pouvez rejoindre l'Aincrad à l'aide de la carte du monde. Ah, carrément, d'accord. Ok. Bah, allons-y. Dépêchons-nous d'y aller. Putain, ces enfoirés, quoi. Ils nous ont arrêtés pile devant le téléporteur. Ils nous disent, allez, on rentre, allez. On fait durer le suspense bien comme il faut. Bande d'enfoirés. Putain, j'ai hâte d'y être. J'ai hâte d'y être. Je me demande comment ça va être. Je me demande vraiment comment ça va être, je sais pas, parce que en fait, pour savoir, il y a eu deux autres SAO avant ceux que je vous ai fait, sauf qu'ils n'étaient pas en sous-titré français, et je crois que même le premier, il n'était même pas sous-titré anglais, il me semble, ou c'était que japonais, il n'y avait même pas de sous-titre anglais, enfin bref, et le deuxième, il y a eu des sous-titres anglais, mais bon, moi, peu importe la langue, si c'est pas du français, je ne comprends pas, je n'y arrive pas. Et du coup, je les ai pas fait, j'ai jamais regardé de vidéo dessus, j'avais juste commencé le... le 2, alors le 2 je crois que c'est si, enfin le 2 apparemment, je crois qu'il n'est pas obligatoire il me semble, c'est juste au cas où si, enfin pour voir ce qui se passe si on dépassait le 75e palier en fait. Du coup bah je sais pas trop, j'avais vu le début un petit peu sauf que le mec qui avait fait la traduction et tout il s'est arrêté au bout de 2-3 épisodes, je me souviens plus. Et bah du coup bah j'ai jamais su la suite, du coup j'ai pas regardé la suite et... Et du coup le 1 et le 2 bah je sais pas ce qui se passe, donc je ne sais pas à quoi ressemble l'Aincrad dans le jeu quoi. Je connais celui de l'anime mais pas du jeu. この情報ばっかりは売るわけにはいかないな。何が起こるかわからないのにプレイヤーで溢れちゃったら大変だもんね。でもさすがにちょっと緊張しちゃうよ。デスゲームの舞台だった場所だからね。今もデスゲームには変わりねえさ。この世界の未来がかかってんだからな。おかしなもんだよな。前は世界から脱出するために攻略をしたってのに。でも SAO をクリアしたからこそ今回もきっとクリアできるって強く思います。そうね、ここに立っているだけで不思議と力がみなぎるような感覚があるわ。この世界をここで終わりになんかさせません。遠慮なく暴れさせてもらうわよ。みんながいればお茶の子さいさいです。うん、行きましょう。なあアインクラッド。Atteignez le cœur avant la destruction du monde.
Bon alors, juste une petite parenthèse, ça m'a fait beaucoup rire. Asuna a dit deux mots et il y avait eu trois lignes de texte. J'étais en mode, bah, dis autre chose. Et puis au final, elle a rien dit d'autre. C'était assez rigolo. Alors, du coup, je m'attendais à ce qu'on soit à l'étage de la ville de départ. Mais je crois qu'on est en dessous. On est un peu dans les souterrains, donc je suis déçu. Moi, je voulais être. Ouais, on est dans les souterrains. Je pensais qu'on allait être à la ville de départ. Bon, tant pis, c'est pas bien grave. Et du coup tout... Ah bah non, non. Parce que je vous avais dit que j'aurais bien aimé faire un raid avec tous les personnages du jeu. Donc Klein, Yuki, Asuna, Lisbeth, Lifa, Yui, Yuki, Shinon, enfin tout le monde quoi. J'en ai oublié quelques-uns, c'est pas grave. Je pensais qu'on allait faire ça et je pensais que ça allait le faire, mais au final ça l'a pas fait. On est que 4. C'est dommage. Ou peut-être que ça sera au niveau du boss, s'il y en a un. Mais il y aura forcément un boss. J'aurais dû me douter que ce ne serait pas si simple. Je n'ai pas trop de temps, je vais devoir faire vite. Easy, il est trop simple lui. C'est parti. Il est trop simple lui. Hop, on esquive. Ah par contre j'ai plus de batterie. Si ça me fait ça en plein combat, je vais pas apprécier. Allez, on attaque. Une petite Nova ascendante. Et si je vous montrais un peu les scrims doubles? Parce que j'ai pas eu l'occasion de vous le faire du coup. Je vais vous montrer un petit peu comment ça fonctionne. Même si c'est pas trop différent, c'est juste que les combos sont pas exactement les mêmes. Ah, tu me laisses finir mon attaque, s'il te plaît? Mais oh, Ah, par contre, j'ai oublié d'équiper les trucs de défense et tout. J'aimerais bien juste finir un combo, s'il te plaît. Voilà, ça c'est un combo classique. Je sais pas si on peut en faire d'autres. Alors, nous avons la double révélation. Voilà, qui est, je crois, la première attaque qu'on débloque. Après, il y a aussi cette attaque-là. Qui est un peu la frappe venin, je sais pas quoi. Et j'ai aussi cette attaque là, qui est très stylée. Enfin, elles sont toutes un peu stylées au final, mais voilà quoi. Vous avez vu toutes les attaques que j'ai débloquées depuis le début. Et je trouve que l'escrime double est vachement dynamique. Mais justement, je la trouve trop dynamique. Et des fois, je galère à la gérer. Parce que, par exemple, la dernière compétence que je vous ai montrée là, celle-là. Oui, c'est celle-là. Sur des ennemis. J'ai eu du mal à les utiliser parce qu'à chaque fois ils se décalaient d'un chouille et du coup je balançais la capacité dans le vent quoi. Et du coup c'est très compliqué, c'est assez compliqué je trouve à caler sur des petits ennemis. Les gros comme ça il n'y a pas de problème mais les petits c'est assez complexe je trouve. Et ouais, je pense qu'on fait plus de dégâts maintenant avec l'escrime double. Bon après faut réussir à caler les compétences comme je vous l'ai dit. Mais je vais rester sur celle-là jusqu'à la fin du let's play je pense. Parce que je me suis habitué vous voyez. Mais si habitué, je vais attendre d'avoir un peu plus de trucs. J'ai qu'un point de compétence, d'accord. Génial. Mais j'aimerais bien aussi débloquer toutes les... Tous les trucs de compétence pour l'épée. Donc c'est-à-dire qu'il me manque un truc, si je dis pas de bêtises. Mais je suis pas sûr, je crois qu'il m'en manque 3, mais je suis pas sûr non plus. C'est 1 ou 3. Le saut qui bloquait la voie est brisé. Parfait. C'est dans la boîte. Je dois me remettre en route. Parce que regardez... Oh putain, non c'est bon. Regardez, parce que il manque que ça pour avoir tout. Mais est-ce que ça c'est considéré comme l'épée à une main ou la rapière? Ça j'en sais rien, je sais pas. Parce que ces deux on peut les utiliser avec la rapière si on a un bouclier. Parce qu'avec une rapière on peut avoir un bouclier. Mais apparemment ça ralentit ou je sais pas quoi. Enfin dans l'anime c'était ça, c'était Ouh c'est quoi ça? Décide pour utiliser la compétence éclaireur. Ah oui c'est comme tank et tout le bazar là. Ouais. Dans l'anime, Asuna ne prenait pas de bouclier pour que sa rapière ne soit pas ralentie. Et je pense que c'est pareil un peu, mais c'est comme l'épée à une main, je pense. Ça doit être pareil, mais voilà quoi. C'était pour l'anecdote. Donc je ne sais pas si c'est. Attendez, on va juste en tuer un pour voir combien d'XP on gagne. Hop, c'est pour l'anecdote. Putain, j'arrive pas à le dire. Anecdote. Voilà. Du truc, donc je ne sais pas si c'est avec putain je suis étourdi. Vas-y enchaîne moi, je dirais rien. Hop. Donc je ne sais pas si c'est considéré comme la rapière ou l'épée une main ou les deux, je ne sais pas. Bref, continuons. Non c'est pas ça que je vais faire, c'était ça. Hop. Continuons d'avancer tranquillement. On a combien de temps là? On est à 20 minutes. Est-ce que je m'arrêterai pas pour refaire un autre épisode derrière? Je pense que c'est ce que je vais faire. Bon, à la fin du donjon, vous inquiétez pas. Mais ça, pareil, j'aime pas ça. C'est de pas savoir exactement quand est la fin. C'est
très très désagréable. Tac. De ne pas savoir quand m'arrêter dans les fins de jeu. Pareil dans quoi est-ce que c'était? Bah c'était dans Lost Song je crois. Je savais pas trop quand m'arrêter. Et c'est un peu chiant ça, de pas trop savoir. Tu te dis ça se trouve là dans 5 minutes c'est la fin, donc je vais pas m'arrêter maintenant, ou ce genre de choses. C'est assez désagréable. Comme Legend of Kay, sauf que Legend of Kay, ah ben non, je savais pas non plus. Legend of Kay, je savais pas non plus, parce que je voulais voir un let's play où ça en était. Et ah bah si, j'avais trouvé, si. Si, j'avais trouvé un let's play qui... Ouais, non, je dis des bêtises. J'avais trouvé un let's play pour savoir quand était la fin. Enfin, dans à peu près, hein, dans combien de temps. Et comme Lost Song, il n'y avait pas ça. Enfin, j'en ai pas trouvé. Enfin, qui était pas en français, en tout cas. Parce que moi, faut que ce soit en français, sinon je suis pas sûr. non, c'est je crois que j'avais rien trouvé de fin, de la fin. Donc c'est pour ça que je ne savais pas non plus. Enfin bref, c'est assez complexe de savoir quand est la fin d'un jeu, surtout les RPG longs comme celui-là. C'est que peut souvent avoir des revirements de situation. Genre par exemple, je vous prends un exemple. Alors c'est un let's play que je l'ai pas fait encore. C'est Tales of Xillia. Oui, c'est ça. Le 1. Même le 2 je crois, il me semble, je sais plus, enfin bref, le 1 en tout cas. À un moment je pensais que c'était la fin du jeu, parce qu'on avait... C'était... Enfin ça ressemblait bien à une fin de zone. Et au final c'était pas la fin, au final c'était juste on battait un gros boss final bien badass, mais c'était pas le boss final qu'il fallait affronter, et on a dû en affronter d'autres, et c'était... Enfin tu savais pas que c'était la fin quoi, moi je m'attendais à ce que ça soit la fin, et en fait ça l'était pas. Et ça, bah, pour en soi j'aime bien. Parce que ça rallonge le jeu, ça me fait encore plus de gameplay, c'est vachement cool. Plus le jeu est long en général, plus je l'aime, sauf si j'aime pas le jeu. Si j'aime pas le jeu, bah j'aimerais bien qu'il se termine vite, mais si j'aime pas le jeu, j'y jouerai pas quoi. C'est si simple que ça. Mais quand j'aime bien un jeu, comme j'aime beaucoup un jeu surtout, j'aime bien qu'il soit de plus en plus long, enfin qu'il rajoute des revirements de situation sans que ça soit chiant, tu vois. Sans que ça soit dans l'extrême, genre là, boum, oh des extraterrestres numériques qui arrivent. Tu vois, ça sera un peu nul, je trouve. Mais qui rajoute des... Tu penses que c'est la fin et en fait c'est pas la fin, et bah je trouve ça vachement cool. Tales of Xillia, ça m'a fait ça, j'étais hyper content. Pareil qu'en fin... Alors, je vais parler de FF10, mais je vais pas trop vous en parler, comme je vais le faire en let's play. Enfin, vous me direz Tales of Xillia aussi, je vais vous faire en let's play normalement. Mais en gros, sans vous spoiler... disons que quand... Oui, parce qu'il faut savoir que Final Fantasy X, la première fois que je l'ai fait, je l'ai pas fait. Genre j'ai vu un let's play. J'ai vu un let's play, puis après je l'ai refait de mon côté. Et bonjour. Ok, on va tuer les deux petits à côté, ce sera fait. Mais vous êtes sérieux, tout ça pour ça quoi? Ah mais putain, on dirait les boss. Le boss de tout à l'heure, putain. Non, oh, attention. C'est quoi les touches déjà? Je me souviens plus. Hop. Et donc je l'ai vu en let's play, après je l'ai fait de mon côté. Après j'ai voulu commencer sur mon ancienne chaîne. Pour ceux qui savent, j'avais une ancienne chaîne avant. Bon, c'était qualité dégueulasse, hein. C'était filmé avec... au début c'était avec mon téléphone, puis après on m'a prêté une tablette je crois. Ou un iPad, non c'était une tablette. Puis après j'ai eu ma propre tablette, donc j'ai filmé avec ma tablette. Bref, c'était un peu bordélique. Ok, première après un level. C'était un peu bordélique, hein. J'étais un peu en galère, j'avais même créé un truc pour que ça soit bien cadré, genre que ça tienne bien ma tablette correctement et tout. Enfin, en carton, j'avais créé un truc, je vous jure, si je le retrouve, parce que je sais pas s'il est encore là, attendez. 2 secondes, non il n'est plus là. Je me suis penché, c'est pour ça que je disais 2 secondes, je regardais plus trop l'écran. Il doit être quelque part dans ma chambre, je pense. Je vous le sortirai un jour, je vous montrerai. J'ai écrit un truc exprès pour que ma tablette soit bien taillée. J'ai même fait un trou, un endroit pour pouvoir bien que... Enfin bref, c'était rigolo quoi à l'époque. Tu te dis, tu peux pas faire de la qualité parce que t'as pas de PC correct ni de quoi filmer comme la GPVR ou quoi que ce soit. T'inventes, tu fais comme tu peux, et j'ai fait 350 vidéos, quelque chose comme ça. Et bah, c'était cool quoi, c'était sympathique. C'est bon, pour ça aussi que j'ai recréé une chaîne, parce que 350 vidéos et boum, d'un seul coup je fais de la qualité. Je sais pas, ça me plaisait pas, je préférais faire une chaîne bien propre avec de la qualité. Bon, le commentary, on va dire qu'il s'est amélioré petit à petit, mais bon ça me gêne pas.
Mais la qualité vidéo, je voulais que tout soit bien propre, les miniatures, les vidéos, enfin je voulais que tout soit propre, que tout soit bien fait, que ce soit pas le bordel, même si je m'améliore au fur et à mesure, j'aime bien quand c'est propre, voilà, que les miniatures soient bien, parce que des fois je mettais pas de miniatures, des fois c'était un peu le bordel. Bref, on s'en fout. Donc j'avais commencé un let's play, puis après j'ai arrêté parce que ça m'avait saoulé, parce que faut savoir que j'ai fait le let's play juste après avoir fait le jeu. Du coup, bah forcément, refaire deux fois le même jeu, encore des petits jeux genre Jak and Dexter, ça me gênerait pas. Le faire deux fois d'affilée. Enfin, Ratchet & Clank, pareil, ça me gênerait pas. Mais des let's play qui durent. Enfin, des vidéos. Oula, oh, ils sont revenus. Ah non, c'est pas les mêmes. Des jeux qui durent 40 heures à finir. Comme là, je suis à 40 heures. Ouais, 41 heures. Refaire deux fois d'affilée le jeu, c'est vraiment chiant. Un peu, hein. Même si j'aime beaucoup le jeu, je le ferai pas. Un exemple tout compte, Tales of Xillia. Tales of Xillia, c'est celui qui m'a fait découvrir la licence d'ailleurs. Bon, je sais qu'il y a eu Tales of Symphonia, Tales of machin. Enfin, il y en a 15 000. Hein. Il y a aussi Tales of Zestira que je dois vous faire depuis très longtemps parce que j'ai attendu avant de vous le faire. Enfin, genre, j'avais commencé, j'avais fait 5 heures du truc, je crois, 4-5 heures. Puis après, je me suis dit, je vais le faire en let's play avec vous, je vais attendre. Et du coup, bah, j'ai toujours pas fait. Et j'ai trop envie de faire la suite en fait. Mais j'ai tellement de trucs à vous faire qui sortent et tout. Enfin, bref, il y a plein de choses que je vais vous faire avant, des trucs voilà que j'ai envie de vous faire tout simplement. J'ai toujours pas fait, il y a aussi Tales of Besteria, si je dis pas de bêtises, qui est sorti le 27 janvier, je crois, quelque chose comme ça. Enfin bref, c'est sorti récemment et je l'ai pas encore acheté, mais je l'achèterai, vous inquiétez pas, je vous le ferai sûrement en let's play. Je sais pas si je le ferai de mon côté par contre, parce que comme je vous ai dit pour FF15 dans le cours auto info numéro 6 ou 7. Maintenant les jeux, j'ai envie de les découvrir tout seul. SAO, ça sera sûrement un des derniers jeux que je ferai en découvrant avec vous, parce que j'ai envie de j'ai tellement envie. En fait, le problème des let's play, c'est que des fois je peux pas tourner, des fois je peux pas faire le montage parce que j'ai pas le temps, des fois il y a plein de choses comme ça ou pas l'envie tout simplement, ça arrive, ou alors trop fatigué ou ce genre de choses. Du coup je suis bloqué, je peux pas savoir la suite. Putain, il est long celui-là. Je peux pas savoir la suite de l'histoire, tout de suite je suis obligé d'attendre d'être en forme ou ce genre de choses, et du coup je peux pas savoir la suite tout de suite et j'ai envie de savoir la suite. Et du coup c'est pour ça que FF15 j'ai arrêté, j'avais trop envie de jouer tout simplement. J'ai voulu le faire aussi avec SAO, j'en ai parlé aussi, mais j'avais pas envie d'arrêter de let's play en même temps comme ça et de recommencer plus tard. Donc j'ai privilégié FF15 parce que FF15 je le préfère à SAO, je vous le dis très clairement, je préfère FF15 à SAO. Ça y a même pas de débat à faire, j'ai même pas cherché trop longtemps, l'histoire m'a plus pris enfin l'histoire m'a pris au début plus que SAO et l'histoire de FF15 me plaît toujours plus que ce SAO là, même Lost Song. En fait FF15 c'est un peu le jeu pour moi en ce moment. C'est bon, j'y joue plus hein. Je l'ai fini depuis un moment, j'y ai pas rejoué depuis, mais c'est vraiment le jeu que j'ai trouvé le plus fun. Enfin, c'est vraiment un de mes jeux préférés quoi, tout simplement. J'ai kiffé, c'est vraiment un de mes jeux préférés. Bon, et ça aussi c'est un de mes jeux préférés. Kingdom Hearts c'est mon jeu préféré, Kingdom Hearts c'est ma licence préférée, mais bon, Kingdom Hearts c'est un mélange de Final Fantasy et Disney. Final Fantasy j'adore, Disney j'adore, donc forcément que ça allait me plaire, même si ça aurait pu être de la merde hein, en soi. Mais le petit combo m'a plu. Enfin bref, revenons à FF10 du coup. Et parce que de base l'histoire c'est quand même c'est quoi déjà l'histoire? Ah oui, c'était tu peux pas savoir quand est la fin du jeu parce qu'il y a tellement de trucs qui sont rajoutés. Par exemple FF10, bon, je vais pas vous spoil, mais en gros, à un moment, t'as fait l'ultime but, en gros. Je vous dis hein, pour ceux qui connaissent pas, parce que ça se trouve, il y en a qui connaissent toujours pas FF10. T'as fait le but, enfin, depuis le début du jeu, t'as un but bien précis et tu l'as réalisé. Et même une fois que tu l'as fait, en fait, c'était pas la fin. C'était pas la fin, c'était pas tout à fait la fin. Et tu t'y attends pas forcément, tu t'attends à ce que dès que t'as fait ça, boum, tu tues le méchant, tu tues l'ultime méchant, enfin le méchant de la fin. Et en fait non, c'est pas tout à fait, ça se fait pas tout à fait comme ça, t'as quelques trucs à faire avant et puis après c'est compliqué. Vous le verrez quand je vous ferai le let's play, d'ailleurs j'ai acheté le jeu exprès, FF10 et FF10-2 en remasterisé. J'ai trop envie d'y jouer, j'ai même pas mis le CD dans la PS3, j'ai trop envie d'y jouer depuis...
Ça fait un moment, hein, ça fait un long moment que j'ai très envie d'y jouer. Mais je vous dis, j'ai d'autres trucs de. C'est pas forcément que je veux vous faire en priorité, ou que je préfère faire, mais il y a des trucs que j'ai envie de vous faire, je sais pas, j'ai envie de vous le faire avant FF10. Et en plus, comme ça, plus j'attendrai, plus je serai content de retourner dessus. Il faut dire aussi que FF10 est un jeu long, pareil. Je crois que c'est un de mes premiers jeux d'ailleurs, de jeux RPG. Je crois que c'est le premier quand j'étais tout petit. Même si je pouvais pas le finir parce que le jeu était rayé. Ça, c'était pas coupé. Ah merde! J'ai sauvegardé l'autre cristal là-bas? Ah, c'est pratique ça! Ah, c'est pratique ça, putain! On a combien de temps? On est à 30 minutes déjà? C'est très pratique de pas savoir où on est, ça. Hein? Bon, bah, je m'arrêterai devant la salle du boss, je pense. Putain, la zone est immense. La zone est immense. Je sais pas combien il va y en avoir. Il va y avoir de téléporteurs, mais ça a l'air d'être bien grand. Putain, mais on voit pas la carte, quoi. C'est abusé. Putain, et si je fais carte du monde et je fais tac. D'accord. Il me montre rien du tout. C'est génial. C'est génial. Enfin, bon, on va avancer rapidement. On va pas se prendre la tête. Et oui, donc FF10, bah, c'est même carrément mon premier FF. Voilà, c'est mon premier FF. C'est un des premiers RPG que j'ai joué. Oui, parce que quand j'étais petit, je jouais à Kaya ou à Beyond Good and Evil ou à Crash Bandicoot. Enfin, je jouais à des jeux de plateforme, quoi. Oui, c'est que des jeux de plateforme. Putain, merde, je me suis pris un coup, je viens de capter. Je me suis dit, mais putain, pourquoi tu ralentis? Mais je me suis pris un coup. Rétinus, oui, parce que quand je me prends un coup. Ah oui, par contre, ça, je sais plus si je vous l'ai dit, comme j'ai fait deux ou trois vidéos que je n'ai pas publié parce que il se passait rien. Putain, pourquoi la musique s'énerve comme ça là? Quand on se prend un coup en maîtrise de vitesse, ça annule le truc carrément. Genre, je perds la capacité d'aller vite. Oui, c'est aussi pour ça que je n'utilisais pas contre Genesis pour essayer de l'esquiver plus facilement. Et voilà quoi, c'est un peu chiant de se faire taper quand on essaie de speeder. Bon. Je vous parlais d'un truc tout à l'heure, et je voulais revenir dessus, j'ai complètement sapé. Oh, Kirito, t'abuses. Il voulait pas sauter un peu, voilà quoi. C'est pour éviter qu'on tombe dans le vide, parce qu'il y aura des malins qui s'amuseraient à le faire, tu vois. D'ailleurs, ça aussi, je me demande. Et si on essayait de glitcher le jeu? Bon, je le ferai jamais, j'y arriverai pas, je saurais pas comment faire. Mais je me demande sur ce jeu, si on trouve un moyen de le glitcher, de traverser un mur ou quelque chose comme ça. Comment serait le tour? Genre, ça serait le vide intersidéral, ou est-ce qu'il y aura des petits trucs sur les côtés, des machins? Ça pourrait être rigolo à découvrir, ça, comme Jak and Dexter par exemple. Dans Jak 2 par exemple, pour finir le jeu en speedrun, il y a des glitches à faire et tu passes derrière les murs, les machins, et tu te retrouves dans des zones inexpliquées, quoi. Alors, excusez-moi, je prends juste le coffre et je m'en vais. Ah, je crois que j'ai plus de défense avec ça. Ah, maintenant c'est vrai, j'ai plus un bleu maintenant. Je crois que je l'ai changé. Oui, je l'ai changé. D'ailleurs, pareil pour ça. Ah, mais je perds en vitesse. La vitesse, c'est je veux pas perdre de vitesse. Alors, je suis à 48 là. Ouais, très clairement là. 52. Ah, mais je perds en vitesse. 44. Mais je perds en défense. Ouais, non. Bah, y a que ça. Et je perds encore en vitesse et je veux absolument être à speed. Sinon, on va pas s'entendre, hein. On ne va pas s'entendre. Il y a des monstres qu'on connaît. Hein. Enfin, que moi je connais, parce que je crois que vous les avez pas vus, ceux-là. Comme je vous ai pas montré le donjon de Genesis. Oui, parce que je faisais que le donjon, en fait. C'est pour ça que je vous l'ai pas montré. Je faisais que le donjon, et au final, il n'y avait pas de cinématique, il n'y a rien. Je me suis dit, c'est inintéressant. L'épisode durait 50 minutes. Pour rien. Allez. Ça se trouve, en fait, il y a 100 étages. Enfin, il y a 100 trucs à faire. Ça va être long, hein, si c'est le cas. Bon, c'est bon, on a compris. Allez, on les défonce. Bon, ils devraient pas être bien forts, normalement. Des squelettes comme ça, j'en ai défoncé je sais pas combien. Ah bah d'ailleurs, et si on profitait pas de ce beau monde pour faire les scrims doubles? Parce que là, même si on se rate, il y aura toujours un ennemi à taper derrière. Genre, boum, voilà, là on en défonce plein. Ou alors même, j'ai envie de dire, voilà, là on les met dans le mal. Ah oui, là ça va être pratique. Là c'est plutôt pas mal les scrims doubles contre eux, comme ça, quand il y a plusieurs ennemis, on peut facilement toucher.
C'est plutôt... Merde! Putain, j'ai raté ma compétence complètement là. Merde, là j'ai plus assez pour en faire une. Hop. Oh là 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 là, on les défonce. On les défonce, on va même faire tac. Voilà, pas le temps de biaiser. Hop. Ouais, ça dégage. Hop. Oh merde. Bon là ils sont plus assez. Boum. C'est toujours pas bon. Ouais, fais pas le rebelle toi. Alors ça c'est fait. Ah non c'est pas fait. Ok, il y a des flammes. Oh c'est quoi ce bon de tout ce monde là. What the fuck. Qu'est-ce que je peux faire. Je voulais faire un truc. Non, bon tant pis. Ah c'est pas ça que je voulais faire. Pareil, il se trompait encore. Arrêtez-moi. Ah là par contre. Hop, boum. On va faire ça. Ah, 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 je prends un peu cher là. Je prends un peu cher, c'est pour ça que je prends un cristal de PE. Parce que je prends cher. Ah par contre c'était pas très malin ça. Oh là, c'est quoi ça tout ce bazar. C'est quoi tout ce bazar. Je vais mourir. Ce n'est pas bien si je meurs. Hop, on va se soigner, vite. Voilà, on va prendre un peu de défense. Hop. Et oui, je disais que c'était pas très malin parce que j'ai le PE moins là. Donc du coup j'ai moins, je perds des PE donc je peux plus faire de compétences pendant un moment, là ça va être très chiant. Hop, allez on bourrine. Putain mais il y en a 15 000. Tac. Il y en a 15 000, c'est génial. Oh mais ils sont level 1, what the fuck. Ah ça va être la sorcière qui a dû les invoquer. Ah putain niveau 48. Ah ouais toi t'es un boss. D'accord. Putain on va encore faire un épisode derrière, c'est trop bien. On rajoute des épisodes quoi. En fait on va faire 50 épisodes, je vous l'ai pas dit là. Je crois qu'on est à épisode 33 là. Et en fait va y en avoir 50. Voilà, on va battre notre record. Notre record qui est d'ailleurs sur Sword Art Online 3 Lost Song, il me semble. On est à 40 et quelques épisodes, sans compter les épisodes bonus. Donc c'est plutôt pas mal. Putain ils font chier. Hop, c'est trop bien ça par contre. Un coup ça les tue. Hop. Et hop on retourne dessus. Par contre il est très résistant ce bâtard. Bon moins résistant que le golem de tout à l'heure hein. Mais bon, j'étais tellement en train de dire tout et n'importe quoi que c'est passé très vite. D'ailleurs, compétences, on en est où? 3 points, c'est tout? Bah c'est quoi ce bordel? Ah, ça y est, je vais pouvoir refaire des compétences. D'ailleurs, en parlant de compétences, je vais faire une petite Nova Ascendante. Non, mais je l'ai fait quand il a paré les trucs, du coup, bah c'est annulé. Génial. Non, mais c'est bon, ça sert à rien. Hop. Hop, tu me fais quoi, toi? Tu t'es pris pour qui? Tu t'es pris pour le qui? Hop. Voilà. Ah oui, aussi pendant l'épisode que je n'aurais pas fait du coup le donjon, il y avait des ennemis à affronter, il y avait un sorcier comme ça, enfin un pêcheur fanatique, mais c'était pas ce nom là. Il invoquait une flamme et la flamme s'était barrée à travers le mur. Et du coup je pouvais plus l'atteindre. Et j'ai dû attendre qu'elle revienne vers moi. Je peux vous jurer qu'à ce moment là dans ma tête j'étais en mode non mais what the fuck, ça fait une heure que je suis dessus. J'étais hyper vénère parce que il était beaucoup plus résistant que celui-là. Enfin, il était peut-être moins résistant, mais comme j'avais pas le level, bah voilà. Et j'étais en mode non, je suis pas d'accord, je recommencerai pas. Bon par contre il y a 15 000 ennemis mais c'est déverrouillé, mais non c'est toujours pas déverrouillé. A mon avis là après c'est le boss. Vu comment il est long le combat, à mon avis après c'est le boss. Allez encore un, on enchaîne. On affronte tous les boss qu'on a vu depuis le début. Oh par contre ça serait méchant. T'imagines on doit tous retaper, on doit retaper les premiers boss mais en plus fort et tout. Et on se retape le troisième boss. Je pleurerai parce que c'est vraiment le boss que j'ai pas envie de raffronter. Même quand j'aurai un level complètement pété que je le one-shotterai, jamais je le raffronterai. J'ai pas envie. Il me fait toujours peur. Ok, bon, lui il est moins résistant. Enfin, on l'enchaîne en tout cas, du coup il a du mal. Ah, on est paralysé. Par contre, j'aime pas ça. J'aime pas être paralysé. Hop, une petite Nova. Pourquoi? Oh ouais. Hop, voilà. Je viens de dépenser 200 PE hein, pour lui faire quasiment aucun dégât. Je suis dégoûté. Hop, que ça a paralysé et après il a esquivé complètement. Putain, c'est trop chiant la paralysie là. Vas-y, je peux même pas taper quoi. C'est horrible. Mais arrête. Putain, je peux même pas faire d'enchaînement, il me stoppe à chaque fois. C'est horrible. Ikirito, tu t'es trompé de chemin, c'était pas par là qu'il fallait taper. Je déteste être paralysé, c'est trop chiant. Et j'achèterai pas de potion anti-paralysant, j'ai pas assez dessus. N'ai pas assez dessus. Quoique si j'en ai pas mal quand même, mais voilà. D'ailleurs il y a un trophée, avoir un milliard de... Ouais, pardon.
Un milliard ou un million? Je crois que c'est un million. Un million de cols et bah ça je le ferai probablement jamais. C'est beaucoup trop long. De toute façon je pense que j'aurai plus aucun trophée à part celui finir le jeu. Je pense. Bon du coup ça c'est fait. Le saut qui bloquait la voie est brisé. Ok, je pense que nous rapprochons de la fin. Et on va s'arrêter juste avant. Parce que je disais un gros fils de pute. On a combien de temps? Oui, 40 000, oui, on s'arrêtera avant. Ne croyez pas qu'on continuera. Vous avez reçu un message. Quoi? Mais il reste encore tout ça? J'ai pas envie. J'ai pas envie de faire ça. Hop, alors est-ce que la paralysie annule mon truc? De toute façon, je suis plus paralysé, donc comme ça c'est réglé. Bon bah c'est reparti, hein, on refait le chemin. C'est quoi ce donjon beaucoup trop long? Beaucoup trop chiant même. Et il nous remet tous les ennemis qu'on a déjà vus. Bon, ils sont un peu différents, ils ont un meilleur level et ils sont pas de la même couleur, enfin pas forcément. Quoique si, ils sont de la même couleur en fait. Hein. On a déjà vu des comme ça, hein, de toutes ces choses. Ouais, on a déjà vu. Bon, j'ai des petits bugs, hein. Des fois je m'arrête de parler genre en mode... Je suis dans mes pensées, c'est un peu parce que je suis dans mes pensées, je veux pas vous le cacher. Je repense à mon match de basket d'hier, tout simplement, parce qu'on a eu une magnifique victoire. Magnifique. On s'est fait mener au premier quart-temps, on s'est pris, on a mis que deux paniers, et donc il y avait 4 à je sais plus, peut-être 15, quelque chose comme ça, et premier quart-temps, on était dans le mal, quoi. Et on a tout remonté, on a fini par gagner, c'était jugé. Oh, c'est quoi ce truc? Bête suprême, d'accord, bonjour. Oh putain, les cinématiques inutiles. Oui, on a compris. On a compris. Et on a fini par gagner après. Après, bah, voilà, on a gagné, c'est tout. Mais il y a eu plein, il s'est passé plein de choses et j'ai pas envie de vous détailler. Je vais pas tout vous raconter non plus. Hein. On est pas sur une chaîne de basket. Bon, ouais. Mais par contre, vous allez vous calmer. Ok. On se calme. Oh, mais et ils font des choses. J'ai l'impression qu'il est fort, très, très fort ce boss là. Hein. Il fait un peu peur. Aïe. Je suis étourdi. Merci. Attention. Oh putain. Eh, il m'emmerde lui. Il m'emmerde. Allez, dégage. Oh, collègue de butin. Eh, tu vas te calmer. Eh, il me saoule là. C'est quoi ces monstres là? Merde putain. Ils font n'importe quoi ces monstres là, ils sont pas cool. Merde putain, j'ai plus assez de PE. Mais arrête. Bête suprême. Et si tu me racontes t'es pas la bête suprême puisque tu y a des mecs plus forts que toi. Même si tu m'as l'air un peu fort quand même. Hein. Je vois pas ta barre de vie. Tu as. Je pense que tu n'as qu'une barre de vie, non? Ah non, non tu en as deux. Je n'ai rien dit. Je n'ai rien dit. Putain, il fait super mal. Bon, par contre, toi, je veux bien mourir, s'il te plaît. Parce que là, tu m'emmerdes un petit peu, là. Tu fais de tâche sur le paysage. Merci. Allez, attention. Attention encore. Première, mais t'es con. Oui, moi aussi, je suis con, d'ailleurs. Je fonce alors qu'il est en train de faire son attaque. Abruti. Ah oui, non. Non, je confonds avec... Oh, là, il fait trop mal. Je confonds avec FF14, parce que dans FF14, en fait, il y avait pareil, il y avait des petits trucs qui s'affichaient quand les ennemis faisaient des sorts particuliers. Et en gros, si t'étais dedans, quand ça disparaissait, tu prenais l'attaque même si tu sortais après. Et si t'étais à l'extérieur et que... Ouh, attention! Et que si t'étais à l'extérieur de l'attaque et que quand il la lançait, tu revenais dedans et que pendant que c'était dedans... Enfin, genre... Si tu l'esquivais quand il y avait si la marque disparaissait, donc ça veut dire qu'il avait enclenché son attaque, et que tu revenais pendant qu'il faisait son attaque, bah tu prenais pas de dégâts. c'est un peu chelou. C'était un petit peu bizarre, mais c'était comme ça. Par contre là, ça va pas le faire. Attention. Hop. Bon, cet ennemi est très fort. Je l'accorde. Je vais même utiliser ça pour lui faire bien mal. Ah, par contre, ça c'est pas cool. Attention. Putain de merde, je suis paralysé. Non mais n'esquive pas mes switches là, oh. Tu me respectes s'il te plaît. Putain, il me saoule.
Il nous tape de partout, genre il est speed, il est résistant, il est chiant. Meurs. Arrête de me taper, je t'ai rien fait. Enfin si, je te tape depuis tout à l'heure, mais va te faire. Allez, recommence, recommence. Oh non, on l'a étourdi, vas-y, bourrine. Moi je voulais faire un raid. Eh mais il se régène. Mais regardez sa vie. Bon là, regardez, des fois il se régène. Trop chelou. C'est quoi ce bordel là? Est-ce qu'elle a pas la capacité de saigner ou quelque chose comme ça? Enfin genre il nous vole notre vie par hasard. C'est bien possible hein. C'est bien possible. Ok là il perd vachement de vie, je sais pas pourquoi. Hop, à l'attaque. Allez on le bourrine. Switch. Bon là il se fait allumer la gueule là. On l'allume complètement. Et c'est moi qui mettrai le coup final pour avoir l'XP, merci. Bon. On a battu l'être suprême. Le saut qui bloquait la voie est brisé. Youhou. Fou. Ce combat là était pas simple. Enfin si en fait il était simple mais voilà. Putain et regardez, on va se taper encore deux autres boss hein. Cette zone ne va jamais finir. Enfin ce donjon, pas cette zone. Enfin si, cette zone aussi en fait au final. Juste je voulais faire quelque chose, je ne me souviens plus. Je voulais faire un truc, qu'est-ce que c'était? C'était pas dans l'équipement, c'était pas dans les compétences. C'est logique, c'était pas là-dedans, c'était où? Merde, je sais plus ce que je voulais faire, putain. Et je suis pas allé du bon côté. Je fais de la merde. Je voulais faire un truc, c'était super important en plus. Je sais plus. Je ne me souviens plus. La musique, calme-toi. Hop. Bonjour, comment vous appelez? Larves frétillantes. D'accord. Vous appelez des larves frétillantes alors que vous ressemblez en aucun cas à une larve. Bref, on s'en fout. Bon, le coffre aussi, je m'en fous. On va avancer. Bon, j'aimerais bien finir le donjon et que l'épisode dure pas 1h30 par contre. ça serait sympa. J'avais dit qu'il fallait plus que je dise que ça soit l'épisode final parce que sinon ça. J'avais encore passé pour un teubé là. Ouais, c'est l'épisode final. Ouais, non, l'épisode final il est dans 5 épisodes. Allez, salut. Alors. Un petit dent de. J'ai pas eu le temps de dire. Dent de sabre loyal, je sais pas quoi. Bonjour, cinématique, il sert à rien. Encore une fois. Bonjour. Dent de sabre loyal. Ok. Bah loyal, je vais te défoncer la gueule. Je vais te déchirer la gueule. On va t'enchaîner, tu vas rien comprendre. Voilà, on lui a déjà enlevé un quart de sa vie. Ah non là, non, bien un quart, je me suis pas trompé. J'allais dire la moitié, mais non. J'aime pas quand les ennemis ils ont deux barres de vie. Je préfère quand celle du haut, enfin j'aurais préféré que celle du haut ça soit... qu'elle descende aussi vite que la barre du bas. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Genre, ça aurait été plus simple. Enfin, je comprends. Je me dirais pas, ouais, il lui reste plus que la moitié de sa vie. Ah non, il lui reste encore 3/4 de sa vie. Allez, on est presque mort. Bon, il a pas duré bien longtemps celui-là. Oh, il y en a deux. Il y en a. Quoi? What the fuck? Ok, bon, il dure pas longtemps, mais il y en a plein. Génial. C'est pas cool. Ça c'est pas cool du tout, ça se fait pas. C'est déloyal. Pardon. J'aurais jamais dû faire cette blague. Putain. Mais en fait elle était tellement bien calée, elle était bien. Je suis content de ma blague. Je suis content de ma blague. Je ne la répéterai à personne, mais je suis quand même content de ma blague. Voilà, on l'enchaîne. Il est au fond. Et l'autre il vient pas l'aider par contre. Son pote c'est... bah les couilles. Il attendait qu'on l'attaque ou quoi? Attendez, on va faire une petite... boum! On va lancer les directs. Pas le temps de niaiser. Hop, petite Nova. Par contre, évite de me donner des coups pendant que je fais ça. S'il te plaît, parce qu'elle est longue la compétence activée. Il y avait longtemps que j'avais pas fait celle-là d'ailleurs. Reviens ici! Hop. On va se recharger en ça. Bon, cette fois, ça passe mieux, s'il te plaît. Hop. Allez, t'es faible. On t'allume. On va t'enchaîner, je m'en fous. On va t'enchaîner de ouf. Attention. On va t'enchaîner de ouf.
Allez, boum, attaque. Go, 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 go. On l'enchaîne, on enchaîne, on enchaîne. Allez, Yuki, fais ton truc là, trop stylé, où ça fait plein d'éclairs et c'est joli. Tu sais, compétence d'épée, bah vas-y, balance. Hop. Allez, on bourrine, on bourrine, on bourrine. On bourrine. On est des bourrins. Hop. On enchaîne, on enchaîne, on enchaîne. Il est presque mort. Il est presque mort. Bon, c'est le troisième qu'on affronte, mais... Putain, mais what the fuck, il y en a eu trois, quoi. Les mecs, ils ont aucune limite, quoi. Non, merde, j'ai fait de la merde. J'ai fait de la grosse merde. Et on finit par un switch? Non, même pas, d'accord. Hop, et ça dégage. Ah oui, c'est ça que je voulais voir. C'est ça que je voulais voir, c'est bon, je me souviens. Je me souviens, le saut qui bloque la voie est brisé, génial. Hey, youhou. Alors, ce que je voulais voir, c'est mon level. Je suis level combien? 47, donc j'ai pris un level là actuellement. Et niveau compétence, bon, je suis à 5. Donc oui, j'ai pris quelques levels. Oui, je prends. Oh là là, ce donjon est beaucoup trop long. Ce donjon est beaucoup trop long. Je ne comprends pas pourquoi mettre un donjon aussi long comme ça. Ça se fait pas. Ça ne se fait pas. J'arrête pas de me plaindre. Mais je m'en bats les steaks. J'ai dit ce que je pense. Hop, excusez-moi, je vais pas dire ouais, un donjon trop long, sachant que j'aime pas les donjons quand ils sont trop longs. Je déteste ça, je n'aime pas ça, c'est chiant. J'aime pas ça, voilà. Quand les donjons sont trop longs, je n'aime pas ça. Après ça dépend, mais les donjons de SAO, j'aime pas les donjons trop longs. Ah, bonjour petit dragon divin. J'espère qu'il n'y en a pas 3 cette fois-ci. Non, non, t'inquiète pas, il y en a 5 ou 6. Bonjour. Oh, d'accord, bah y a son frère jumeau d'une autre couleur. C'est génial, on va se faire latter la gueule. Alors, qu'est-ce qu'on tape? SAO, ou plutôt la VR en général, est encore beaucoup de potentiel. Elle attend de... Putain, je vais rêver. Bon, Pierre, Sword Art Origin, ou plutôt la VR en général, a encore beaucoup de potentiel. Elle attend à nous offrir. C'est loin d'être fini. Ah bah oui, c'est sûr que là, c'est loin d'être fini, hein. Putain. Ces enfoirés nous mettent deux gros dragons dans la tronche des... Comme ça, sans pression. Allez, on va le bourriner. Par contre, ouais, c'est pas... Tout à fait là que je voulais taper, en fait. Je veux plutôt, genre, taper la queue ou la tête. Allez, vas-y, on lui défonce la queue. C'est un peu bizarre de dire ça, mais c'est pas grave. Ne faites pas d'allusion à ce que je pense. Ce n'est pas le cas. Viens ici, toi. Viens ici. Viens ici. Allez, plus de queue. Hop. Ok, il est à terre. Maintenant, on le bourrine. On le bourrine, on le bourrine, on le bourrine. Switch. On fait ça. Non, vite, 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 vite. Mais pourquoi vous avez pas... Mais pour... Alors déjà, pourquoi Kirito, tu t'es arrêté? Parce que t'as arrêté de bouger, je t'ai vu. Fais pas genre. Et deux yo, pourquoi vous avez pas tous attaqué? J'ai l'impression d'avoir utilisé un truc de compétence pour rien. Arrête de bouger. Tu vois pas que j'essaye de te taper? Ça se voit pas? Allez, plus de casque. On t'allume la gueule, on t'allume la gueule. Oh, t'as perdu pas mal de vie là. Suis Chikuzan. Hop, tout ça attaque, vite. Mais pourquoi vous attaquez pas? Sauf ils attaquent l'autre. Enfin, moi je m'en fous, je continue de taper ça. Ouais, non, peut-être pas en fait, ce serait un peu, je pense, stupide. Parce que ouais, je dois lui faire moins de dégâts, je pense. Hop, non, c'est pas toi que je vais taper. Calme-toi. Allez, on va taper sa queue. Hop. Tu disparais, comment tu veux que je te tape si tu disparais? Allez, voilà, vas-y, retombe. Hop, un petit à l'attaque. Bien fait cette fois-ci, s'il te plaît. Mais il tape dans le vent aussi là. What the fuck? Et comment tu veux que je... Comment tu veux que je fasse si mes coéquipiers ne peuvent pas... ne tapent pas le bon truc? Si la queue ennemie, oui, bah oui. J'avais compris. Yeah. Hop. J'aimerais bien utiliser le truc pour avoir un peu plus de PE, ça serait cool. Je vais récupérer mes petits PE. Hop. Allez, vas-y. Qui est presque. Ah, il y a une compétence de machin de fête là. Maintenant, à l'attaque. Mais arrêtez de taper la tête, c'est ici qu'il faut taper. Oh là là. Hop. Et on en a un deuxième derrière. Bon, le deuxième, je sais pas à quoi il sert, il est là. Mais pas trop. Hein. Genre, il nous a quasiment pas tapé depuis le début. Oh 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 oh, il a bien amoché là. Hop. Tac. Il est presque mort, il est presque mort, il est presque mort. Switch. Il est presque mort. Yeah, il est mort. Ok, suivant.
Bon, ça va être exactement le même, hein. Génial. On a combien de temps? 50 minutes, d'accord. Bon, je suis désolé, cet épisode est un peu long. Je m'excuse, c'est pas ma faute. Je peux pas tout gérer à la fois, hein. Je ne suis pas Superman. Hop. Tac. Qu'est-ce qui est presque mort? J'ai l'impression qu'il est un peu plus résistant. Ou alors c'est que je foire complètement mes attaques, ça c'est bien possible. Non, non, ouais, non, il n'est pas. C'est juste que je foire mes attaques depuis tout à l'heure et il n'est pas du tout plus résistant. Et brûlez-le là. Qu'on lui enlève pas mal de vie, ça serait cool. Hop, on lui a levé presque un quart de sa vie, wesh. On est trop fort. On est trop fort. Hop. Allez, 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 allez. Ah, je croyais que Soka s'était redétruit alors que j'avais rien fait, quoi. J'étais en mode ouais, trop bien. Allez, on enchaîne, on enchaîne, on enchaîne. Qu'est-ce qui est quasiment détruit? Ah, je croyais qu'il allait s'envoler, mais non, pas du tout. Allez, Soka s'est recassé. Allez, on rebourrine, on rebourrine. C'est le moment. C'est le moment, on rebourrine. On bourrine, on bourrine, on bourrine, on bourrine. Il est à x3,54 là, on lui fait super mal. Hop, allez, x4, faut qu'il reste à x4 là. C'est important. Ça, non, mais non, pourquoi t'es remonté? Mais non. On allait t'enchaîner. Oh, hashtag triste. Putain, je peux rien faire là. Je peux même pas faire un petit switch. Merci. Allez, on y croit. On y croit, on y croit, on y croit. À l'attaque. Allez, allez, il a quasiment plus de vie, il a quasiment plus de vie. Ma voix part un peu en couille ici. Ma voix aussi, elle a plus de vie. C'est à cause du match d'hier, ça. J'arrêtais pas de gueuler, genre, allez, on donne tout. Hop, elle est presque morte. Allez, on y croit. Bon, après, on met un troisième dragon complètement pété. Attention. Ah non. Le sol qui bloquait la voie est brisé. Putain, je disais que d'un œil, j'étais en train de me gratter l'autre. Elle m'attend là-bas. C'est parti. Ouais, ils ont pas mis le troisième dragon hyper gros, super pété. Bon, je suis content. Ça nous évite de galérer encore. On va juste récupérer le trésor là-bas parce qu'il il m'appelle. Je sens bien ce trésor là. Il m'appelle, je vous dis. Par contre, ouais, merci. Alors, qu'est-ce qu'il y a dedans? Il y a forcément un truc de ouf, c'est sûr. On évite de se faire taper. Eh bah, c'est de la merde. C'est de la merde. Ouh, salut, bonjour. Bon, bah, on va bientôt se laisser. Kirito a dit que c'était la fin. C'est qu'on se rapproche de la fin. J'ai hâte de savoir. Est-ce que. Oh, il est un peu tard quand même, et demain je me lève. Ah, est-ce que je refais un épisode derrière? Je ne sais pas. J'ai très envie. J'ai très envie de savoir la suite. J'ai soif par contre. Oui, c'est bien la fin. Et on va s'arrêter là. J'avoue que j'aurais pu me retenir avant de boire la suite. Enfin, qui se raconte de boire, juste attendre que la vidéo soit finie. Du coup, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode avant-final, ça veut rien dire. Cet épisode-là vous aura plu, l'avant-dernier épisode vous aura plu. N'hésitez pas à liker, partager, vous abonner comme d'habitude. Prochain épisode, du coup, on finit le jeu. Normalement. Comme depuis 5 épisodes, j'ai qu'on finit le jeu, mais je pense là vraiment que c'est la fin. Je ne vois pas comment il pourrait continuer le scénario, c'est fini. Peut-être qu'il y aura un scénario annexe, hein. C'est bien possible, mais voilà. Il y a toutes les zones là. À part ici, mais je vous dis, ici, je sais pas, ça me. J'ai pas l'impression que ça peut être une zone. Genre parce que là regardez il y a je sais pas. Genre là on voit qu'il y a quelque chose. Là on voit qu'il y a quelque chose. Là aussi. Mais là il y a rien qui affirme. Là par exemple on voit la montagne. Là on voit un espèce de château là je trouve un peu. Là on voit des on dirait un étang. C'est quoi déjà? Non c'est des marais. Enfin non mais on dirait je sais pas, on voit qu'il y a un peu de forme de vie, tu vois, là aussi, et là on dirait qu'il n'y a rien, nada, donc je pense pas qu'il y ait une nouvelle zone ici. Bref, j'espère que cet épisode vous aura plu, n'hésitez pas à liker, partager, vous abonner comme d'habitude, prochain épisode, pseudo épisode final normalement. J'espère que ça va plu, donc je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, salut!